En ce qui concerne l'Afrique, je suis sûr que plusieurs personnes dans cette audience feront probablement la même observation. Je pense que nous devons assumer nos responsabilités et accepter nos échecs dans ces domaines. Par exemple, en rapport avec ce que le président Obasanjo vient de dire sur le cas de Boko Haram, que vous pouvez utiliser pour plusieurs autres cas. Pour moi, quand je regarde la télévision et je vois nos dirigeants qui devraient travailler ensemble pour résoudre ces problèmes qui affectent leur pays, attendent jusqu'à ce qu'ils soient invités en Europe pour trouver une solution. C'est comme si on les fait asseoir pour étaler leurs problèmes. Il y a un problème. Pourquoi les autres ne font pas cela? Quelle image donne-t-il de nous, de l'Afrique? En fait, l'image que ça donne de l'Afrique est que nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Nous sommes là pour une séance photo. Nous sommes ravis de siéger à Paris avec le président français et lui raconter nos problèmes récents. Ça n'a pas de sens que nos dirigeants ne puissent pas se réunir pour résoudre les problèmes qui affectent notre peuple. Ça n'a pas de sens.